Salut Paul. Salut Julien. Je t'ai téléphoné hier. Mais, tu n'as pas répondu? Qu'est-ce que tu faisais, hier soir? J'étais dans la cuisine, quand tu as appelé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas entendu, la sonnerie du téléphone. J'ai entendu un bruit. Cela venait de ton appartement. Est-ce que tu jouais au basket, dans ta chambre? Pas moi. Je regardais la télé, comme d'habitude. Je lisais, mangeais du pop-corn, et regardais un match de football, à la télévision. Alors, qui faisait du bruit? Peut-être que, c'était Nicolas, ton voisin de l'autre côté. Il a un match de basket samedi. Peut-être qu'il s'entraînait, pour ça. J'étudiais pour mon examen, et, le bruit me dérangeait vraiment. Je comprends. La prochaine fois, tu devrais crier, à haute voix. Et, arrête ce bruit. Et peut-être que, le bruit s'arrêtera. C'est une bonne idée. Eh bien, j'étais en colère, mais maintenant, je suis heureuse. Merci pour le conseil. De rien. Et, bonne chance pour ton examen. Merci. Maman, quand j'avais 2 ans, est-ce que je pleurais souvent? Oui, tu pleurais beaucoup, et après, tu avais les yeux tout rouges. Pourquoi est-ce que je pleurais, maman? Parce que tu faisais beaucoup de caprices. Tu ouvrais la bouche bien grand, et tu criais « Je veux ça, je veux ça ». Est-ce que je faisais des bêtises? Oui, de temps en temps. Qu'est-ce que je faisais, comme bêtises? Tu adorais mettre les mains, dans l'eau, du chien, et, tu y mettais les pieds aussi. Est-ce que tu me donnais, une fessée, quand j'étais vilain? Jamais, je te punissais, mais la fessée, jamais. Comment est-ce que, tu me punissais? Je te mettais au coin, pendant quelques minutes. Et, qu'est-ce que je faisais au coin? Tu pleurais, et quelquefois, tu criais aussi. Beaucoup? Oui, beaucoup. Mais après quelques minutes, je ne pouvais plus résister. Et, je te faisais un gros bisou, sur la joue. Ou sur la tête. Comme ça. Salut Marco. Salut. Il y a une lettre pour toi. Pour moi? Qui a envoyé cette lettre? Ton amie Flora t'a envoyé cette lettre. C'est génial.
comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Quand j'étais petite, je passais mes vacances au bord de la mer, chez mes grands-parents. Ils avaient une maison sur l'île de Ré, une île située au large de La Rochelle. Maintenant, il y a un pont, mais autrefois, on prenait le bateau pour y aller. C'est génial. Mes grands-parents sont décédés depuis quelques années, et maintenant, on passe les vacances à la montagne. L'été dernier, par exemple, on a visité la Suisse, où on a fait du camping. C'était chouette, parce qu'il faisait beau tous les jours. Cette année, je veux retourner en Suisse, mais ma mère pense que ce sera trop cher. On ira donc faire du camping dans les Pyrénées, et on fera des randonnées à la montagne. Veux-tu venir avec nous? Fais-moi signe, si tu peux venir, j'attendrai ta réponse. Au revoir.